Hey, salut à tous, c'est Aptech. On se retrouve sur notre Let's Play Hogwarts Legacy. Oublie pas de t'abonner à la chaîne. Allez, c'est parti! Alors, on s'en était donc arrêté à la fin du défi de Rookwood à la salle des cartes. Et j'avais eu pas mal de quêtes annexes qui avaient fini par tomber. Donc, enfin, quête annexe et une quête principale. Toujours. Quête principale. Ah oui, je devais retrouver Poppy Sweeting. Et après, j'ai de quoi apprendre Bombarda. On va aller faire ça aussi. Parler à Sébastien dans la crypte. Si vous suivez un peu mes let's play depuis le début, vous savez que j'affectionne particulièrement les quêtes de Sébastien, d'autant plus que j'ai l'impression que c'est lui qui va nous orienter, entre guillemets, sur le côté obscur. Bah alors, pas le côté obscur de la force, hein, mais le côté obscur de la magie noire. D'autant plus qu'on a déjà appris en Doloris avec lui. C'est en Doloris ou Impero, je ne sais même plus lequel des deux, mais bon bref. Je vais aller faire un saut, je pense, sur ces deux quêtes secondaires-là. Déjà, histoire de récupérer Bombarda. Ensuite, il me reste un jeton à trouver pour voir le coffre caché, là. Ah oui, les demi-guises. Bon, alors ça, c'est une tannée. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je me penche un peu dessus, mais c'est vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mais récupérer Alo Omora, c'est clair que c'est non négligeable aussi. Et là, trouver la... Ah oui, j'ai toujours pas fait la quête... La quête de Chic. Faudra que je m'en occupe. Tac, tac, tac. On va aller récupérer Bombarda. Hop. Alors, du temps que je suis là, je vais en profiter aussi. Il me semble que j'ai des trucs à décrypter. Enfin, à identifier. Ouais, yes. En plus, un truc qui me monte. Je vais récupérer... Alors, mes cultures, elles n'ont pas fini. Mais je vais récupérer mes potions parce que c'est vrai que ça n'a pas été la joie lors de la dernière mission où j'ai un peu serré les dents, enfin serré les fesses quoi, si je peux dire pour être poli, mais où j'avais plus de potions. Ah crotte, ouais, 6 secondes c'est lancé. Donc du coup je préfère en recraft là, prendre le temps, ça prend 15 secondes. Alors j'en avais craft un chouï à la fin là, de ma dernière partie, mais... Ok. Et ok. Allez, on va récupérer celle-là, et puis on va pas passer 15 ans dessus. Ah bah, récupère-la. Ah c'est bon, c'est fait? Non c'est pas fait, bon je sais pas ce qu'il me veut. Bref, ok j'en ai 17. 17 je crois que je pense c'est capé à 20, donc en soi on est plutôt pas mal. Je vais regarder aussi mon équipement. Du temps qu'on est là. Ah, alors attends, ça, j'ai le même, la cible sous l'effet d'Impero, ouais donc c'est Impero qu'on a, inflige des dégâts supplémentaires ou dégâts accrus avec tous les sorts de dégâts. Bah je vais garder dégâts accrus avec tous les sorts de dégâts. Ah oui, je m'étais déjà penché sur ce chapeau là. Hop, lui me montre en plus dégâts des sorts accrus en mode caché par le sort, ouais, des illusions... Ok, donc le reste, je peux tout vendre. Quête, alors, elle, c'est devoir obtenir un Dirico avec le sac de capture. Obtenir un crapaud violet géant avec le sac de capture. Ok, faut que j'aille faire de la capture. Mais alors, par contre, où c'est que je vais trouver ces bestioles? Ça me les affiche, c'est bien ça. C'est pas la porte à côté. En plus, j'ai rien pour me TP ici. Je vais me TP là. Ouais, je vais me taper là, c'est le plus proche. Donc un crapaud géant et un Dirico. En route pour
de nouvelles aventures ? Hop. Bon, je me demande parfois si tu as vraiment les yeux en face. Alors, ok, on va atterrir là. L'atterrissage n'est pas disponible. Ah bon, pourquoi? Ah mince, c'est en bas. Ah ouais, ça doit être ces trucs-là. Oh, il y en a un, il est joli. Le Dirico, là. On va le... On va essayer de choper lui, là. Levioso. Tout doux, reviens. J'essaie seulement de t'aider. Levioso. Bah, what? Pourquoi je peux pas le... What? Ah non, pas eux. Confringo. Levioso, descendo. Cassius, findo. Allez, dégage. Laisse-moi capturer mon... Il est où? Je l'ai vu passer par là-bas, là. Petit, 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 petit. Il est là. Levioso. Allez, tu es à moi. Je veillerai bien sur toi. Ah, il est joli de cette couleur-là. Alors, est-ce que c'est parce que c'était un mâle? Ouais, est-ce que les autres sont des femelles? Elles sont d'une autre couleur, peut-être? Ouais, les femelles ont l'air d'être blanches et les mâles bleus. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici, là? Parce qu'il me dit que j'ai un... Il y a une tanière de quelque chose quelque part, là. Bref. L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Oula! Oula, oula! J'ai du monde ici. Ah bah, je me suis fait rôder. C'est la journée. Vous avez entendu ? Je sais que tu es là. Levioso, descendo. Ratego. Lassus. Ifindo. Pathétique. Aïe, 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 aïe. Je te préviens, je ne me laisserai pas. Il était mort, là. Ah bah, viens m'attaquer. Levioso, descendo. Lassus. Ifindo. Ratego. Stupidis. Pas aujourd'hui. Oh. Voilà. Allez, dégage. Et en plus, j'ai fait des exploits de duel. Oh là là, mais oh, ils sont de partout, là. Attends, mais moi, je m'en fous. Je... Ah, mais oh, en plus, c'est super loin. Ah, bah, je peux prendre le balai. Cassos. Un crapaud violet géant avec le sac de capture. Alors j'aurais peut-être pu me TP en fait. Ouais, regardez, je sais pas si je peux me TP pendant que je suis en balai. Tac, tac, là-bas. Ah bah, non, je sais pas. Ouais, que je me TP là, au final, ça change rien. Donc autant... Autant y aller. Ah, j'aurais dû prendre l'hippogriffe. J'aurais été peut-être été plus rapide. J'y ai pas pensé. Alors, oula. Exploit de duel, terminer le combat à temps. Oula, attends, qu'est-ce que c'est ce bordel? Retourner le fangieux lorsqu'il s'apprête à effectuer son attaque sournoise. Alors, par contre, pour le retourner, j'ai jamais compris. Oh là là, il s'en fout. Je sais pas comment le retourner. Ah là là, j'ai même pas pu l'esquiver, tranquille. Ah, ça doit être ça, son attaque sournoise. Non, je sais pas ce que c'est, son attaque sournoise, là. Aïe, 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 je me fais défoncer. Stupéfix.
Alors attends, eux déjà là, va falloir que je les calte parce que ils commencent à me... Ah ! Ah, en plus il m'a fait cramer mon sort dans le vent quoi. Bon, attends. Ah ! Ah, c'est ça son attaque sournoise, je pense. Mais il faudrait que j'ai que lui quoi, pour pouvoir me concentrer tranquillement sur lui. Aïe 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 aïe, dès que je veux lancer mon sort là, il vient m'embêter. Je me gourde. Voilà. Je pense que c'est ça l'attaque sournoise parce que tu. Il te prévient pas. Quand il t'attaque, t'as pas une manière de pouvoir esquiver donc. Il y a moyen que ce soit ça. Ah non mais par contre là vous êtes mignons mais ils sont combien là? Gros c'est pas possible. Ah bah au final je vais rien faire Casse-toi. Toi aussi casse-toi. Ouais ils sont trop nombreux. Non mais arrêtez là. Ouais tu sais quoi, je reviendrai Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Plus t'en tues, plus y'en a qui se ramènent. Regarde ça, mais regarde ça! Y'a tout le marais à mes trousses. Et il y en a encore un autre qui s'est ramené? Non. Eh si, mais attends, c'est pas possible. Vas-y, je vais me bouger. Merde, je me retouche. Mais regarde ça! Attends, mais je vais me concentrer sur le gros, c'est bon là, il y a un moment. C'est bon quoi. Je crois que je vais surtout même pas. Je vais me barrer, ouais. Il bouge plus là. Tourbeux, épineux. Oh, lui me saoule aussi là. Allez, c'est bon, je me casse, je sais pas que ça qu'il y a à faire. Défi réussi, vaincre les fangeux, ok. Bah, au moins j'aurais pas fait ça pour rien, mais bon. Alors, un crapaud. Où est-ce que je vais trouver un crapaud? À mettre un coup de révélio peut-être. Je sais pas si c'était pas un... Ah bah si, ils sont là, ça doit être ça là. Alors, petit crapaud. Levioso. Ah, reste tranquille. Et voilà. Tous mes devoirs sont finis. Crapaud violet géant. Oh non, pas eux. Oh non, pas eux. Confringo. Action.
Ah bah oui, à chaque fois ils sont trop nombreux là. Ah ouais, il y en a encore. Portego, stupéfix. Repulso, Confringo. Ah, ah. Antonoris. Fous-moi la paix, toi. C'est pas lui que je voulais, là. C'est lui, là. Casse-toi. Oh. Encore ! Il y en a qui sortent des ténèbres. Ah ! Bon, dégage. L'avantage, c'est que la magie comme ça, ça marche bien aussi. Allez, casse-toi. Stupéfix. Confringo. Levioso. Descendo. Lassius. Attends, mais il pop à l'infini, c'est pas possible. Ah non, c'est bon, il y en a plus. Ok. On avait un truc à récupérer ici à part ça là. Non, c'était juste un tombeau comme ça là. Ok. Il y avait un truc à faire ici, non? Non, bah peut-être pas. Hein. C'est juste pour te dire que c'est une zone où il y a des Inferni là ou je ne sais quoi. Ok, bon, bref, tant pis, de toute façon, c'était pas le but de la manœuvre. On va faire... C'était quoi les défis que j'avais, là? Couper un fangieux accroché, vaincre un ennemi avec un chou mordeur de Chine. Moi, je m'occuperai de ça plus tard. On va retourner à Poudlard et on va apprendre Bombarda. Tac, tac. Et c'est parti. Ah non, ça c'est Poppy, c'est pas Bombarda. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'a... Je me suis TP à Poppy, moi. Poppy Sweeting. Assister au cours sur les créatures magiques. Ah bah si, d'accord, c'est... Ok, autant pour moi. Je pensais qu'elle allait... On va laisser passer, hein. Attends, on va guetter qu'il y ait peine de Miguise dans le coin, là. Revelio. C'est quoi ça? Non, c'est un cadenas ou une connerie dans le genre? Ouais, parce que là-dedans, là... Ah, niveau 2, bah c'est mort. Ouais, niveau 2. Allez, tant pis. On va attendre. Bon travail aujourd'hui. Le cours est terminé. Elle veut pas nous apprendre à envoyer des dragons, non? Comme elle vient de faire. Je suppose que vous voulez apprendre un nouveau sort. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. J'aimerais apprendre Bombarda. Excellent. Une petite mise en garde néanmoins. N'utilisez ce sort qu'en cas d'absolue nécessité. Le sortilège d'explosion peut s'avérer très dangereux. Ne le lancez pas à tort et à travers. T'inquiète pas, Guillette. J'y veillerai, professeur. Croyez-moi, je compte bien m'en assurer. Il vous faudra faire preuve d'une extrême précision dans votre geste, au risque d'y perdre une main. Ah ouais. Allez-y.
On va éviter de se crever la main. Beau mouvement régulier avec la baguette. Alors, on a... Pas, tac, tac. Ah oui, il a l'air... L'explosion est très sensible. Tac, tac. Tac, tac. Et tac. Bon, ça va. Bravo. Passons à la pratique à présent. Allez-y. Faites un essai sur les citrouilles. Alors, à la place de quoi je l'équipe déjà? Je pense que je vais l'équiper à la place de celui-là. C'était quoi lui? Confringo. Mais est-ce qu'il fait du feu? Ah, sa portée est courte. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je vais virer? Ah bah, je vais virer Flipendo. Et je vais faire comme ça. Allez, c'est parti. Les citrouilles, elle m'a dit. Quelle citrouille? La grosse là? Enfin la grosse? La grosse citrouille? J'avais pas mis le bon sort. Ça va être ça, Bombarda plutôt, ouais. Bombarda. Vos mouvements sont ah oui. Excellents. Sortillage d'explosion Bombarda génère une explosion qui inflige de lourds dégâts dans un large rayon. D'un geste assuré et maîtrisé. Ok. Professeur, puis-je vous déranger un moment? Oui. Qu'y a-t-il? Ouais, laisse tomber, j'ai pas envie de parler avec toi maintenant. Professeur, peut-être plus tard. Très bien. Donc c'est bon là, j'ai fini avec Bombarda. Nickel. Je sens que ça va m'être utile. Je vais peut-être... je me tâte à le remplacer. Ouais, quoique mon combo pour le moment est pas mal. Enfin, j'essaie avec Bombarda, voir ce que ça donne. Glacius et Bombarda. 4-4-4. On avait dit, on allait voir... Sébastien. Je sens que ça va être long. Ah non, c'est juste une discussion. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Tous ces nouveaux manuels. Tu ne croiras jamais ce que j'ai... Qu'as-tu découvert dans le livre de sorts trouvé dans le scriptorium? Le livre de sorts de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. C'était très dur, mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait, parce que dans le livre de sorts, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique, mais... Nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Hominis. Il ne comprendrait pas. Ah, ça y est, on commence à lui faire des cachotteries, là, à Hominis. Enfin, remarque, c'est vrai qu'il a été assez, je pense, perturbé dans sa période avec sa famille, là. On lui dira pas. Je ne vois aucune raison d'impliquer Hominis. Content que tu sois d'accord. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Ok. Ne t'en veux pas pour Hominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Oula. Hominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Bad timing. Tu es un menteur, Sébastien. Et j'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille. Après, je peux comprendre, hein. Je ferai mieux d'y aller. Qu'il ait envie de soigner sa sœur. Je ne vais pas lâcher le morceau.
Ominis, Sébastien voulait bien faire. Je sais ce que j'ai entendu. Vous saviez que je ne serais pas d'accord. Partir à la recherche de la relique est une mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé aux ses parents ? Je savais que ses parents étaient morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palo étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas, mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. Les références du livre ont l'air prometteuses. Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le. On a le cul entre deux chaises, là. C'est très important. Ok. Bon, bah, je sais pas quoi faire si au final. C'est vrai qu'Ominis, enfin, j'ai envie de dire. Il y a son passif qui rentre en compte, c'est clair, mais de l'autre côté, Sébastien, il y a sa sœur, malgré que, bon, c'est vrai que ses parents ont perdu apparemment la vie en utilisant de la magie noire ou je ne sais quoi. Enfin, en étudiant le livre. C'est compliqué. Compliqué. Mais je pense que je me rangerai plus du côté de Sébastien. Je pense que la magie noire, malgré tout, c'est ce que t'en fais qui est bon ou mauvais, en fait. Le tout, c'est pas... Enfin, voilà, apprendre la magie noire, en soi, si tu t'en sers... Enfin... Connais ton ennemi, quoi. Je sais pas comment expliquer ça, mais je veux dire, c'est pas parce que tu connais la magie noire que forcément tu vas faire le mal avec. À la limite, tu t'en sers pas, mais t'as les connaissances. Et moi, je suis pour les connaissances. Tout feu, tout flamme. Donc il me reste à aller rencontrer Poppy Sweeting. Ou alors je vais aller aider... Je vais aller aider... Ça fait un moment qu'elle traîne, cette quête. On va y aller. Alors, encore une fois, c'est pas la porte à côté. On va se taper là. Qu'est-ce que vous mijotez ? Qu'est-ce que je mijote ? Je me demande qui. Bardolf Beaumont devrait déjà être revenu. Mais il y a elle là, oui. Il a été pris par les mages noirs. Excusez-moi, vous avez mentionné un Bardolf Beaumont ? Oh, rebonjour. Quel plaisir. Bah oui, mais j'ai déjà fait des trucs avec elle, ce protal. Oui, en effet. Je m'inquiétais pour Bardolf, le frère de Claire Beaumont. Il s'avère qu'il a disparu. Il aurait été vu dans la forêt en train de pratiquer la magie noire. Et je l'ai aperçu près des ruines avec Rockwood et sa bande. Ah. Je crains qu'il ait eu des ennuis avec les serpents cendres. Surtout s'il leur a fait une promesse qu'il n'était pas en mesure de tenir. C'est si triste. Avec la disparition des campements de Ranrock, je suis persuadée qu'il aurait fini par abandonner la magie noire. Du coup, ça m'intéresse. Je pourrais partir à sa recherche. Toute aide est la bienvenue. Peut-être devriez-vous parler à Claire. Elle aura sans doute plus d'informations que moi. Je peux vous dire que Bardolf a été vu pour la dernière fois dans la forêt. Il portait un pull en laine assez particulier. Ok, un pull en laine tricoté. Claire doit se trouver dans sa boutique si vous voulez lui parler. Eh ben, moi ça parle de magie noire. Je me dis que, pourquoi pas. Le dessin d'un frère, on va aller voir. Je le jure sur la tombe. Parce qu'on sait jamais si je peux apprendre un sort. Si je ne fais pas attention. Je suis preneur. Bon, on va y aller en balai parce que, hop, encore un... c'est à 300 mètres. On va pas déconner non plus.
Mais s'il peut nous apprendre un sort, vu qu'il pratiquait la magie noire ou qu'il essayait d'apprendre, peut-être qu'on peut apprendre avec lui. C'est peut-être pas que Sébastien qui va nous révéler tous les sorts entre guillemets de magie interdits. Qui soit dit en passant, on apprend, on n'était pas forcément spécialement interdit. Ouais. Alors, on va éviter de se faire repérer maintenant. Voilà. Dégage. Ah bon, on va tester Bombarda, tiens, on va voir si ça marche. Ça ne marche pas. Ah. Confringo. Bon bah heureusement on garde Confringo. Par contre il m'en faudrait un deuxième en fait. Hein. Parce que quand je suis contre eux. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait Repulso moi? Je me suis gouré. Ah mais oh ça met tarif Bombarda hein. Cette inférieuse porte un pull en laine. Ah oh, non. C'est sûrement Bardolph. Alors attends. Est-ce que je peux changer mes sorts en cours? Je vais modifier des trucs là parce que ça me va pas. On va se faire une deuxième. Ça faut que je garde pour capturer. Je sais pas quoi utiliser, c'est chiant. C'est très très chiant. Je vais peut-être faire ça. Hop. Comme ça, j'aurai ça. Je vais me faire un deuxième truc de sort, donc on va mettre... On va se faire un enchaînement. Tac, 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 tac. Ça, c'est pas mal. J'aime bien cet enchaînement-là. On va s'en faire un autre. On va se faire... Incendio. On va se faire Incendio, Bombarda. Confringo. Et un autre qui... Bah tiens, on va peut-être mettre ça. Du coup, hop. Comme ça, là, je peux mettre... Lui, j'en ai besoin. Voilà. Ça me fait comme ça deux trucs d'attaque. Là j'en ai un de chaque couleur, c'est pas mal. Ou alors est-ce que je remplace, je sais pas ce qui est mieux. Je vais tester là, tiens, la différence entre Bombarda et du coup Diffindo. Élimine les objets, les ennemis à distance en infligeant des dégâts considérables. Ah ouais, ils ont eu des dégâts considérables, donc ça doit être à peu près le même bail que... Alors, eux ils sont tous en tas. Eh hey, oh, respecte-moi. Voilà, allez hop. Hop. Ça. Allez, dégage. Et du coup, normalement, si j'ai lui, hop. Voilà. Ah ouais, parce que quand on est contre eux, là, les Inferni, faut du solaire, quoi. Donc faut juste que je retienne le combo que j'ai mis, ça me fait Inferno, Bombarda, Confringo, et bah Andoloris, c'est pas ce qui fait le plus de dégâts. Faut que je mette un autre truc qui tabasse. Merde, pourquoi je bois ça? Je vais être malade. Faut que je mette autre chose qui fasse des dégâts, j'en ai pas un... Ah, Expelliarmus? Peut-être? Je sais pas si ça fait... Il est où? Confringo... Diffindo... Expelliarmus... Expulse les armes de la main de la plupart des ennemis qui les brandissent, inflige également des dégâts à tous les ennemis même s'ils ne portent pas d'armes. Ce sera peut-être mieux qu'en Doloris. On va faire ça, un full dégâts. Et du coup, on va mettre ça comme ça, avec ça comme ça. Voilà, allez. Qu'est-ce que c'est que cette boule chelou là? Re
Retournez voir Claire Beaumont. Ah bon, bah on va stopper. Voilà, comme ça, contre les boss, je pourrais faire mes combos là, switch ici, faire mes combos là, et là, balancer peut-être Andoloris. À voir, pourquoi pas. Vous avez toute ma gratitude. Madame Beaumont, je crois bien que j'ai du nouveau sur votre frère. Bardolf ? Que savez-vous sur mon frère ? J'ai le regret de vous informer. Il a décidé de changer de vie. Non. Autant dire la vérité, hein. J'ai dû le tuer. Quoi ? Mais. Mais. Pourquoi je dis Inferni ? C'est Inferius. Mon frère s'est transformé en Inferius. C'est absurde. Il portait un pull en laine, tricoté main. Non. Non. C'est impossible. Toutes mes excuses. J'aurais aimé vous apporter de meilleures nouvelles. Portez-vous bien, Madame Beaumont. Qu'aurais-je pu faire de plus ? Oh, pardon. Après, lui dire la vérité, bon, en soi, elle est triste, mais je veux dire, vaut peut-être mieux elle fasse son deuil que... Au final, lui mentir, lui dire il a changé de vie, quoi. Parce qu'elle aurait peut-être passé 5 coups, du coup, elle aurait tout abandonné sa vie pour essayer de retrouver son frère. Enfin, je sais pas. Moi, il y a un moment, on me dit ma sœur, elle a changé de vie. Ouais, c'est bien, elle est partie sans rien dire à personne et tout. Bah, je me dis, attends, mais il y a un souci. Et puis, j'essaie de la retrouver. Donc, 5 coups, elle aurait quitté son petit estanco, là, de vente. Elle aurait bousillé sa vie pour chercher quelqu'un qui n'existe plus, quoi. Enfin, moi je le vois comme ça, je réagis comme ça. Je sais que j'ai eu un petit manche de baguette, on va aller voir ça. J'aime bien ces conneries. Ouais, non, en fait c'était là. Qu'est-ce qu'on a eu ? Ah, joli, je vais le laisser. Tiens, et au passage, achète mes daubes, toi. Ah, bah elle a l'air d'aller mieux déjà. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus un rond, du coup j'ai... Ah oui, ça je peux vendre. J'ai acheté une bonne partie des créasors là pour mes potions et mon rempotage. Et puis j'ai le composteur à bouse, je crois pas que je l'ai installé à la salle. Enfin, je regarde à quoi ça sert en fait. À augmenter le rendement, mais je vois pas comment. On ira voir, tiens. Bon, du coup on reprend la quête de Chic. Hop. Hop, carte. Et c'est là-bas. Caverne aux Horglups. Une grotte dans laquelle se trouve un grand nombre de Horglups. Ok. Vous avez rendu Campolar en haut plus sûr. Et je vous en remercie. Mais de rien. Oula, qu'est-ce qu'il me veut là? Oh là là, eh oh, mais foutez-moi la paix! C'est en bas qu'il faut que j'aille. C'est sûrement la grotte de Tobbs. Je devrais y entrer. Aïe, j'ai pas vu, il y a une araignée! Saloperie. J'aime pas ce monsieur là. What? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La paix! Tiens, vas-y, hop. Allez, dégage. Et ensuite, comme ça, on va pouvoir essayer cet enchaînement. Ah. Ouais, nickel. Ah oui, j'ai oublié que Incendio, là, il y a quasi pas de portée. C'est bien pour quand on est entouré. Grotte du métier à tisser. Oh. Extrême danger. Ne pas entrer. Beware spiders. Attention aux araignées. That's way. Ok, il nous conseille de ressortir. Donut Hunter. Ah ouais, bah... Attends. Spider. Araignée. Extrême danger. Ouais. Ouais, ça va les panneaux, là. Attends, le mec qui arrive à quand même...
C'est que le mec qui est rentré là, il était déterminé, quoi. Genre nous. Tobs, tu es à 3 fioles en dessous du quota. Tu sais ce que ça signifie? Que mes fidèles clients n'auront pas leur solution de ratatinage de Simus. Suite à cette grossière erreur, tu ne recevras aucune nourriture pendant une semaine. Je m'attends aussi à ce que tu punisses dignement. Quand je reviendrai pour la prochaine cargaison, j'espère bien te trouver plein de bandages ensanglantés plutôt qu'avec ton sourire stupide de d'habitude. Si tu n'atteins pas le quota augmenté de 5 fioles, tu perdras bien plus que ta ration de nourriture. Le maître de Tom, c'est horrible. Ah bah oui, c'est vrai que c'est un elfe de maison, donc il lui doit... il lui doit sa vie, quoi, entre guillemets. C'est triste à dire, mais c'est comme ça chez eux. C'est un esclave, quoi. Chic, m'envoie. Ah, le pauvre, il va être mort. Il va être puni comment? Enfin, ça. Quoi? Eh oh, mais. Tiens, mange une caisse, toi. Tiens, bombarda. Allez hop, ça dégage. C'est bien, bombarda, en plus, il y a de la portée. Bon, du coup, elles m'ont fait descendre là. Eh ouais, bah du coup, elles m'ont fait descendre là. Ah si, je peux remonter ça. Ah, crotte. Non. Oh, mais. Incendio. Ok, c'était sa chambre. Putain, il squattait là, le pauvre. J'aurais pas été serein, moi, avec toutes ces bestioles, hein. Je suis pas allé voir, non, là-bas. Après, les autres trucs qu'on voit là en Revelio, c'est en haut. Ça doit être après, je pense. Quoique, je peux descendre là, non? Ça m'emmène nulle part si je descends là, on s'en fout. Ah si, je peux descendre dans... Ok. Alors, on va retourner voir là. Mais là, c'est un cul-de-sac. En fait. Ah non, c'est pas un cul-de-sac, j'ai rien dit. Incendio. Mais peut-être qu'il faut bien que je descende. Qu'est-ce que t'as, toi? Confringo. Expelliarmus. Ouais, ça fait pas de dégâts, Expelliarmus. Hein. Revelio. Ouais, là, ça m'a l'air d'être la suite, quand même. Quoi? Oh là, c'est Aragog. Enfin, c'est pas Aragog parce que. Mais c'est de la même acabit. Oh là là, j'aime pas ces bestioles. Du coup, est-ce que je peux descendre là? Je pense que oui. Voilà. Est-ce que je pourrais remonter? Oui, je pense que oui aussi. Et est-ce qu'il y a un intérêt à être là? Rien, attends. On va mettre un coup de Revelio avant. Revelio. C'est quoi ce tonneau là? Juste un tonneau? Y'a rien d'autre à faire là-dedans? Ah, ça c'est à mon avis, d'accord, c'était pour sauter d'en haut et pas mourir. Ok. Bon, j'avais juste loupé un petit coffre avec rien d'intéressant dedans, mais bon. Ça fera un truc à la vente. Toujours 60 ou 90 pièces de prix. Puis je crois que les sorts de feu, ça tombe bien parce que ça marche bien contre les araignées. On va voir ça tout de suite parce qu'à mon avis, je vais me frapper le boss là. On dirait que Tobs est passé par là il y a quelque temps déjà. Il a dû s'enfoncer plus profondément dans la grotte. Oh non. Zou. Incendio. Ah, mais... T'es où, là? Fous-moi la paix, là. Ah, elle va creuser. La garce. Incendio. Voilà, meurs. Ah, objet non identifié.
Faudra retourner à la salle, là. Pas oublier. Incendio. Oh là là. Ah, je l'ai pas vu, j'en ai une à mes pieds. Quelle horreur. Aïe aïe aïe, et puis ça prévient pas quand elles sortent. Hein. Ah, mais c'est celle en plus que j'avais quasi défoncée. Ok. Incendio. Je peux y aller là-bas? Non. Réveillio. Ok, si je fais ça là-dessus. Non, même pas. Ah bah non. Qu'est-ce qu'on a en bas, tiens, avant de monter? Un gros trou, ouais. Non, bon, on va rester là. Allez là, éclos tes trucs là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah non, c'est un truc de magie, ok. Ok, donc une nouvelle fois, je peux descendre. Ah non, c'est de là d'où je viens, donc non, je ne peux pas descendre. Ah, j'ai oublié un truc là-bas. Ouais, c'est pas grave, c'est juste un truc d'ennemi mort. Oh là là, j'ai horreur de ces bêtes. Les araignées, c'est vraiment ma phobie, quoi. Ça pue le piège, ça. Même pas. Il y en a un autre. Ah bah, je vais pas pouvoir remonter. On va glisser, voilà. Alors, il devait être là, l'ami. Oh là là, oh la grosse. Ah, il est tombé dans le trou, la bestiole. Ah! C'est pas moi, j'ai rien fait. Je peux faire le... Non, je peux pas la faire, l'éviter. Ah, Est-ce que je peux te faire ça, tiens? Parce que t'es vilaine. Ah, mais j'ai pas eu le temps d'esquiver. Ok. Ah mais... Bombarda. On va mourir quoi. Ah là, regardez, c'est les araignées snipers là. Pendant que je me battais contre la mer là, elle me tirait dessus de loin. Non mais attends. Je ne m'y attendais pas. Quoi? Oh. Allez, éclos toi là, j'ai pas toute la nuit là. Oh putain. Donc je peux tomber dans les trous pendant que je jette des sorts. En même temps, il fait de la danse aussi là. Je suis dégoûté. Bon, on va reprendre nos sorts de feu, ça marche pas trop mal, allez viens là. Je vais faire cramer toutes les deux, tiens, hop, dans le trou. Ah mais, la paix hein. Oh mais, alors elle là-bas là, tiens, je prends un sac dans le nez là. Ah ouais, loupé. Ah, je me gourre encore une fois. Allez bouge. J'adore ce TP. Ouh, par contre, j'ai pas envie de me TP dans le trou, donc... Incendio.
Ah, je suis trop loin. Ok, allez, la grosse, elle a dégagé. À vous maintenant. Allô, t'as s'est suicidé. Tiens, moi aussi, je t'ai tiré de loin. Quoi? Ah, elle a eu le temps de me toucher, t'es sérieux? Ok. Ah, un bout de journal. Maître, si jamais vous cherchez Tobbs, il semblerait qu'il ait épuisé toutes les sangsues qui étaient ici et qu'il a dû s'aventurer plus en avant dans la grotte. Tobbs espère que le maître attendra son retour. C'est bien trop dangereux pour que le maître essaye de le suivre. Et je vous en prie, faites attention aux araignées, Tobbs. Oh, on va le retrouver mort, bichette. Ce bruit n'augure rien de bon. Ah, il s'est fait bouffer, il s'est fait embaumer et manger par les araignées. Ça fait combien de temps qu'il est là? Heureusement, j'ai mis 6 jours aussi à venir là. C'est ça fait un moment que je laisse cette quête. J'ai heureusement que ça n'a pas une influence parce que il serait déjà mangé, digéré. Qu'est-ce qu'elle veut là? Ah, je les vois en rouge, d'accord, mais c'est pas des ennemis. Bichette, à mon avis, le pauvre Tobbs. Faudra trouver un moyen de le faire libérer. Comme Dobby dans Harry Potter. Ah, il est là-dedans, c'est obligé, il est dans un des cocons. Déjà, il va y avoir le boss, voilà, c'était sûr. Qu'est-ce qu'elle est moche ! Enterrer, quoi ? La tête d'une acromantule dans le sol ? Comment tu veux que je fasse ça ? Ah, avec un... Quand elle doit se lever comme ça, là, et... Eh, par contre... Faut que j'arrive à... Alors, et par contre, est-ce qu'elle vient à l'infini, quoi, parce que... Aïe, vilaine bestiole. Eh, t'es un peu trop proche de moi, l'autre, j'aimais pas trop. Tu vas te détendre. Eh, par contre, elle pop à l'infini, c'est pas possible. Oh là là, oh là là, je vais crever, je vais crever, je vais crever, je vais crever, je vais crever. Mais fous-moi la paix. Ah. Ah. Ah, je me rapproche d'elle, j'aime pas. Elle est vénère, elle. Bon, alors. Ah! Comment je lui enterre la tête dans le sol? Oh, elle est tendax, elle, hein. Ah ouais, d'accord, elle les refait pop en fait. Ouais, donc faut que je me concentre clairement que sur elle, quoi. Bon. Premier lieu. Je me suis gouré de cible. Wouhou! Ah! Ah! Sale bête. Est-ce que je peux la... Ça m'étonnerait que je puisse la lever, ouais, voilà. Ah, elle me gonfle. Casse-toi, toi. Ah! Oh là là, j'ai bien fait de craft des potions, hein. J'en avais 17, il m'en reste plus que 4 déjà. Hein.
Oh là là, elle prend que dalle. Toi déjà meurs. Alors après par contre je comprends pas comment tu lui foutes la tête dans le... Allez, casse-toi. Enterrer la tête d'une acromantule dans le sol. Si je peux pas lui faire les vieux sauts descendo, moi c'est comme ça que je pensais l'enterrer dans le sol, mais... Il y a des défis complicados. Réveillon. Alors, là-haut, on a du coffre. Oh, des lunettes de soleil qui m'augmentent, ça c'est bien. Pitié, pas des lunettes. Ah non, c'est des classiques. Yes. Ah, mince. Je peux pas ressortir par là. Tous les coups, il va être dans un truc comme ça là. Je peux pas y faire tomber ça. Si. Ah bah, si c'est là-dedans, ils sont déjà digérés et tout. Il y a déjà des. Ah bah, oh, bichette. Je pensais qu'à la limite, sous forme de cocon comme ça, il y avait une chance. Bah, apparemment, non. Ah, c'est un truc là-bas que je vais pas ramasser. Un croc d'araignée. Ok. Bah, la suite c'est là-bas. On va s'équiper des lunettes. C'est où c'est là? Plus 8 de défense. Je prends. Pas cracher dessus. Hein. Alors faut que je trouve, je vais regarder s'il n'y a pas un endroit où ils expliquent un peu les défis, quand utiliser quoi là, parce que enterrer la tête de l'araignée dans le sol, je veux bien, hein, quel sort je pourrais avoir avec ça. Ok, ça c'est stop, ça on s'en fout. Permet de faire léviter les objets, bah ouais. Ça c'est pour les transformer en... Ok. Attirer les ennemis. Répulsion. Moi, à part utiliser Descendo, inflige aucun dégât direct, mais les objets et les ennemis sont projetés au sol, subissent des dégâts considérables à l'impact. Les ennemis en l'air subissent des dégâts encore plus importants que quand ils touchent le sol. Flipendo projette les objets et les ennemis en l'air et en arrière. Court temps de latence, ce sort est parfait pour être lancé plusieurs fois d'affilée. Sa capacité à retourner instantanément les objets est utile pour résoudre les énigmes, et pour exploiter les faiblesses de certains ennemis. Ouais. Là non, ça sert à rien. Non, bah, je vois pas comment lui foutre la tête. À part utiliser des Sando, mais. Ça doit être un moment précis, je pense. Ok, là il y a des trucs en bas. Mais j'ai pas envie de tomber encore. Je peux descendre là? Ouais. Ah bah, ça, c'était juste pour ça encore. Y'a rien d'autre là? Ouais, non. Ah si, un coffre. Ah, crotte. Incendio. Ouais, bah, ça fera un truc à vendre. Ah. Ah non, c'est bon, je peux juste tirer dedans. Oh non. Oh. Je pense que cet elfe de maison est Tobbs. J'en étais sûr, bichette. Maître, si vous trouvez le corps de Tobbs, c'est que la grosse araignée était trop forte. Tobbs est indigne de vous et mérite sa punition. Tobbs se sent faible, fatigué. Tobbs doit... Ah, mais il est mort. Pauvre Tobbs. Ouais. Abandonné, seul avec les araignées. Bichette. C'était quasi sûr qu'on le retrouve comme ça. Putain. La haine, là t'as envie de retrouver son boss là, enfin son... comment ils appellent ça, son maître là, et de le déglingos. Pauvre, il avait rien demandé à personne. Eh ouais, petite séquence émotion.
Et raconte à Tuck ce qui est arrivé à son ami. Je peux pas passer là-bas là, tiens, c'est quoi? Je peux pas y détruire ça? Si. On va aller voir. Et là-bas, je vais voir aussi ce qu'il y a du coup. Mais avant de partir trop loin. Enfin, c'est peut-être la sortie, tu vas me dire. Ouais, il y a de fortes chances que... Ah non, il y a un coffre. Bah, mais si, ça a l'air d'être en direction de la sortie. Cette table me dit quelque chose. Je crois que je suis de retour à l'entrée de la grotte. Ok, nickel. Bah, on va aller voir ce qui se passe sous les palissades que j'ai détruites dans la flotte. Ouais, pas grand chose. Ok, bon bah voilà. Est-ce qu'on peut pas se TP, tiens, plutôt que tout ressortir là? Je suis pas sûr, mais faut peut-être au moins que je... Ouais, j'ai pas que ça à la carte, faut au moins que je sorte de la grotte. Ouais, voilà, l'objectif est là, 50 mètres. Alors, on va aller voir Cheek. Tac, tac, tac. Carte de Poudlard. Il a la salle sur demande, normalement. Là, Cheek, il se met bien, hein, la salle sur demande à Poudlard, tranquille. Alors, attends, avant, je vais faire ça. Je vais... Hop là! Ah, un masque. Cool. T'es à la place des lunettes? Ouais, plus 4. Dégâts infligés par les trolls réduits. La dégaine. Et j'ai des gants aussi? Ouais, non, mais ils me baissent. Ok. Ah bah, jeu de bon pour recraft des potions. Et ça, hop, hop, hop. Ah oui, je voulais voir le composteur à bouse aussi, et tentacule vénéneuse. Ok, bon, ça on verra après. Tac, 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 tac. Cheek, je suis de retour de la grotte. Fantastique. Oh, non, bah, on lui dit ou pas? Oh. Je suis désolé, ah, si on lui dit. Ça, Cheek, mais Tobbs est mort. Il semble qu'il n'ait pas pu échapper aux araignées. Oh non. C'est ce que craignait Cheek, tout seul dans cette grotte. Pauvre Tobbs. Cheek et Tobbs appartenaient autrefois au même maître. Oh oui, nous avons été séparés à sa mort. Cheek aurait bien voulu que Tobbs soit envoyé à Poudlard aussi. Cheek a de la chance de servir des sorcières et sorciers comme vous. Tobbs manquera à Cheek. Cheek lui lèvera son verre, le cœur bien lourd. Oh, oh, oh. Je suis navré pour ton ami, Cheek. Merci. Vous êtes bien aimable. Cheek voudrait être seul pour réfléchir, si ça ne vous dérange pas. Bah non, on va te laisser tranquille. Moi, en vrai, genre un elfe de maison, enfin... Je le considérerais pas comme un esclave, comme ils font tous. Enfin... Certes, si t'as un elfe de maison, c'est pour t'aider comme ils font dans les tâches ménagères, les trucs, le bidule. Mais je veux dire, en soi... Enfin, tu le considères, quoi. Ah, ouvre le courrier. Lorsque vous aurez un moment,
Qu'est-ce qu'elle veut, la vieille chouette ? Il pense que la reproduction des créatures pourrait vous intéresser. La reproduction des créatures, ah bah, comme quoi j'avais bien fait de capturer un mâle et une femelle alors. On en est là ? Bonjour, Chick. Elle a pas voulu rester seule longtemps, du coup. Oui, Chick a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures. Cela me semble être une très bonne idée. Sauver et élever des créatures vont de pair. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici, dans la salle, nous permettra de garantir la sécurité des petits. Je vois. Qu'est-ce que je dois faire ? Commencez par amener deux créatures dans la salle, un mâle et une femelle. Chick vous conseille de sauver des sombrales, car ils sont recherchés par les braconniers. Ah, faut que j'aille chercher un autre. Ce sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crins de queue sont prisés par les braconniers. Ah, quoi, les sombrales, non, j'ai chopé un mâle et une femelle normalement. Puis-je en trouver dans les environs ? Chick a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard. Je m'en fous, je les ai déjà. Ensuite, vous devrez acheter un créasor pour l'enclos chez Tom et Parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créasor, revenez voir Chick. Ok, donc le poulain qui sauva son espèce. Non, je m'en fous. Fous-moi la paix. Attraper un sombral mâle. J'en ai pas un ? Si, mais faut que je le libère peut-être. J'avais une autre salle, elle est où ? Elle est là-haut. Je vais aller libérer celle que j'ai déjà, tiens. Tac, tac, tac. Je sais même plus comment je fais. Faut commencer. Ah, je sais même plus où c'est qu'il faut appuyer. Inventaire. Talent, collection, défi, hibou express, quête. Voilà, lâcher la créature. Relâcher la... Attends, bah non, c'est pas ça que je veux. Je veux pas la relâcher, je veux la mettre dans mon bordel, là. Je suis plus sûr quelle touche faut appuyer. Non, c'est pas ça. Et... Non, c'est pas ça. Ça, c'est mes sorts. Ça, c'est Revelio. Hibou Express. Non. Je vais appuyer sur toutes les touches. C'est pas, c'est sûr que c'est pas comme ça. Là, j'ai peur de les de faire une connerie. Bah non, je vois pas comment je fais. Oh là là, crotte. C'est pas via mes sorts, non ? Je suis pas là-dedans. Bleu, 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 nourrir, non ? Bah non. Et je peux pas ouvrir mon sac ? Ah. Comment je fais ? Je sais même plus. Alors là... Ah bah non, mais je suis con. Pardon. C'est ça. C'était marqué. Alors... Ok, donc j'avais qu'une femelle en sombrale. Bizarre. Bon bah, on va aller attraper un sombrale masculin. Oh, toujours plus loin, j'en avais trouvé des moins loin, hein. Abuse pas, Chick. On va stopper là, on va y aller à dos d'hippogriffe. En route pour de nouvelles aventures. En route, mauvaise troupe. Hop, hippogriffe. Salut mon ami. Vol. C'est pas la porte à côté. Hein. Je prendrai bien le point de passage. Enfin, le TP là. Ça me fera une zone de plus. Je peux passer par-dessus là ? Oh là là, c'est loin. Hein. Ah, je peux pas aller plus haut, je suis obligé de...
Ah, j'ai jamais vu. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est ce bousin? Plus vite, elle céleste. Pourquoi je peux pas y aller? Ok. Ah non, parce que c'est... Ok, oui, je peux pas rentrer en ville dedans. Ah bah descends, elle céleste. Je n'ai... Allez! Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Ah mais non, mais d'accord. Je suis allé à Préolard, mais je suis pas bon. Bon, c'est pas grave. J'aurais pu me TP, j'ai perdu du temps. Donc il faut que j'achète ça. Créasor pour enclos de reproduction. Heureusement j'ai assez de... Ah attends, bon, je vais vendre mes... le peu de trucs que j'ai. Hop. Rien de tel que... Alors, créasor, station de nourriture, boîte à jouets. D'invoquer une boîte à jouets existait pour choisir le jouet préféré de vos créatures. Ouais, je vais prendre le truc de nourriture, comme ça rien au moins. De tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas? Ce sera fait. Bon, attraper un sombral. C'est à une borne. Eh ouais, mais j'ai fait n'importe quoi en fait. C'est que je suis allé. Je me suis TP là-bas pour au final faire demi-tour et retourner après Olar, quoi. N'importe quoi. J'ai pas suivi le bon point. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravi d'y avoir été inclus. Hop, là-bas. C'est tout de suite un peu plus près, là. Cannabis. Ok, il y en a là, je vais pas me poser trop près, on va pas leur faire peur. Ah bah trop tard. Allez, atterris là, crotte. Ah, il se barre. Ah non, c'est bon, il y en a plein là. Ah bah il se barre. Revelio. Ah mais oh, hein. Alors, on va faire... J'aurais peut-être dû mettre un resto... Il va se barrer. J'aurais pas le temps. Non. Tu veux bien coopérer un peu? Mais ouais, sois gentil, quoi. Ah bah, je reprends où j'en étais. Ah bah, ça va. Hop. Je vais pouvoir invoquer un enclos de reproduction dans la salle sur demande. Allez. Retour à Poudlard. J'ai sauvé les sombrales et apporté le créasor pour l'enclos. Excellent. Maintenant, pour que les sombrales se reproduisent, mettez-les simplement dans le vivarium où vous avez invoqué l'enclos. Puis utilisez l'enclos pour commencer le processus. Venez voir Chick lorsque vous aurez terminé. D'accord. Où devrais-je invoquer leur enclos? Chic ne se lasse jamais des merveilles de la salle. Elle devient stylée la salle sans doute. Idéal pour ses sombrales. Prévenez Chic une fois qu'ils se seront reproduits. Ok, alors invoquer un enclos de reproduction. Tac, c'est avec ça. Enclos de reproduction. Ah oui, je voulais invoquer le composteur à bouse aussi. Alors, où c'est que je vais le mettre, l'enclos?
Faudra un coin assez sympa. Bon, écoute, on va le mettre là. L'espace. Voilà. Ok. Interagir. Relâcher les créatures pour leur permettre de rebondir. Les créatures peuvent être sauvées dans les Highlands. Ok, gérer les créatures. Donc toi, tu vas là. Mais du coup, faut que j'aille chercher l'autre. What? Ah, ça m'a ouvert un nouveau... Ok, bon bref, on va aller récupérer... Non, bah si, c'était là. On va faire ça. Toi, tu viens là. Invoquer... Non, je veux pas, je veux que tu viennes là en fait. Voilà. Tout va bien à présent. Ok. Attends, mais. J'en avais déjà un de son bras, le femelle. Ah, j'avais deux femelles en fait. Ah, bah tiens, on va mettre. Ah, crotte. On va prendre elle. J'avais deux femelles. J'avais deux femelles et... Ah bah c'est nul en fait ce que j'ai fait. Sombral. Ah non, c'est un Sepulcria, c'est pas un Sombral. Alors, me demande pas la différence. Ouais, je vais aller relâcher les deux là aussi. Ça fera de la place dans mon sac. Hop. Mâle femelle. Mâle femelle. Mâle femelle. Oula, boursouf, j'en ai. J'ai deux mâles. Trois mâles. Ouais, j'en ai un peu trop là. De toute façon, je peux mettre que 4 espèces par truc. Donc j'ai déjà une espèce, deux espèces, trois espèces, quatre espèces. Ouais, donc au final ça. Ah, mais non, mais ouais, du coup, je pourrais pas lâcher eux alors. Ah bah... Ah bah écoute. Je suis plein. On va aller les mettre là-haut, hein. Tant pis. Hop. Toi. Et toi. Quatre, quoi ça, quatre espèces aussi, je pourrais pas faire mieux. Le crapaud il va se sentir bien là, c'est un peu machin, mais le dirico ça me fait un peu de la peine de le poser là. Oh quoi que... Je les ai posés ou pas? Je sais même pas. Ça me les a comptés? Ouais, si, ils y sont. Ok, ouais, il est là. Voilà. Bon, bah là, ce sera plein aussi. Alors, à mon avis, je vais encore avoir une autre salle. Ok, et toi. Voilà, sombral, mâle et femelle. Et maintenant, utiliser l'enclos de reproduction pour faire reproduire les sombrales. Bah ouais, je veux bien, ouais. Bah venez là. Allez. Soyez pas timide. Allez, pousse-toi, je peux pas accéder au truc. Allez! Ils me suivent ou quoi en fait? Ouais, ils me suivent. Allez, cassez-vous. Oh putain. Alors, attends. Vous pouvez obtenir des petits de n'importe quelle espèce si vous avez un mâle et une femelle dans l'enclos. Le sombre, c'est sinistre. Ok. Ah, ok.
Et elle, pourquoi elle va pas dedans, là? En cours de gestation. Ok. Sans créature. En cours de gestation. Ah, est-ce qu'elle y va toute seule? Avec son petit. Son bras le juvénile. Utilise dans l'enclos, hein, pour faire reproduire son bras, là. Il y en a pour une demi-heure? Ah bah écoutez, il y en a pour une demi-heure. Non bah c'est pas grave, je vais pas... Je vais arrêter le let's play là, de toute façon ça fait... je pense que ça fait plus d'une heure déjà qu'on est dessus. Ce que je fais c'est que je mettrai un avance rapide, je vais attendre moi jusqu'à la fin et si vous voulez voir le dénouement, je mettrai... je ferai un avance rapide et comme ça on vous pourrez voir. Bah écoutez, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like. Je mettrai à la fin du coup le dénouement de la gestation. Et on se retrouve très très vite pour le prochain let's play. Allez, merci, ciao ciao.